Trésor, mémoire de radio, présente. Trésors, mémoire de radio, présente. 13ors, mémoire de radio, présente. 13ors, mémoire de radio, présente. Il y a des jours, je regrette de ne plus chanter parce que je crois que j'ai gardé absolument ma voix intacte. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Pour faire de la chanson, pour enregistrer aujourd'hui, il faut se faire un noyau de compositeurs. Tous les auteurs, compositeurs, aujourd'hui, chantent leurs propres œuvres. Ils n'écrivent plus pour les autres. Comme moi, je n'écris pas de chansons. Il fut un temps où Jean Ferrat écrivait des chansons pour moi. La première chanson qui s'appelle Les yeux d'Elsa, c'est la première chanson que j'ai enregistrée de Jean Ferrat. À cette époque-là, il n'avait pas du tout l'intention de sévir en scène lui-même, n'est-ce pas? Il m'avait écrit aussi une chanson qui s'appelle Laura, Laura. C'est très joli, c'est une très jolie chanson. Laura, Laura, qu'il est loin le temps où tu dansais pour moi dans ce grenier qui gardait caché l'amour de nos 15 ans. Laura, Laura, quand tu danseras ce soir à l'opéra, mes souvenirs revivront sous tes pas. Le rideau va s'ouvrir, Laura. Là-bas, une étoile s'est élancée, sortant de l'ombre pour danser. Et moi, je la regarde s'envoler, s'envoler, s'envoler plus haut, plus loin que ce monde irréel, laissant à jamais derrière elle l'image du jour. C'est brisé, Laura, Laura, c'est entre mes bras que tu pleurais tout bas. Quand tu choisis entre mon amour et tes chaussons de soie, Laura, Laura, tu frémis de joie ce soir à l'opéra. Mais sur les temps, pareil au cygne blanc, il me semble te voir mourir. Mes souvenirs s'éteignent sous tes pas, le rideau s'est fermé, Laura. Je pense aux petits chaussons, ça c'est Charlie Chaplin. Et à l'époque, je ne connaissais pas M. Chaplin. Je l'ai connu par la suite, à la suite justement de mon enregistrement de la Emmerette. J'ai fait sur un même disque, un 78 tours, une face, j'ai fait De Petits Chaussons, et de l'autre côté, j'ai fait Moulin Rouge. Et je chantais au Célestin à Lyon, le soir même de mon enregistrement, des Deux Petits Chaussons. Et ces Deux Petits Chaussons étaient enregistrés d'une façon assez amusante, à l'inverse du procédé actuel. Je m'explique. Comme je chantais le soir à Lyon, et qu'il fallait absolument que Canetti, qui était mon manager à l'époque, voulait absolument que le disque sorte extrêmement rapidement et que je sois le premier sur le coup, c'est toujours la même histoire, m'a fait apprendre en 48 heures Limelight, Moulin Rouge également. Et le matin même, j'étais à la salle Pleyel, on enregistrait à la salle Pleyel à l'époque. On a mis mon accompagnateur, qui n'est pas un mince accompagnateur quand je vous dirai que c'était Michel Legrand, on l'a mis derrière un paravent, au piano.
Il jouait en sourdine et moi, on ne prenait que ma voix. C'est Michel qui a orchestré. Je suis resté une semaine à Lyon. Et quand je suis rentré de Lyon, j'ai eu la surprise de m'entendre chanter avec 40 musiciens. Car les 40 musiciens, on a enregistré sur ma voix. C'est-à-dire qu'on a fait l'inverse aujourd'hui, où on enregistre l'orchestre et où les chanteurs chantent sur l'orchestre, ce qui s'appelle faire un recording, n'est-ce pas ? Eh bien, moi, on a fait un recording sur ma voix. Et c'est Michel Legrand qui dirigeait son orchestre, alors qu'on passait ma voix dans les casques. Alors voilà le souvenir de Limelight, ça c'est un souvenir. C'est l'histoire banale de ce ver de terre amoureux d'une étoile. Histoire d'enfant qui souvent fait pleurer les grands. Deux petits chaussons satin blanc sur le cœur d'un clou dansait gaiement. Il tournait, 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 tournait toujours. Plus il tournait, plus il souffrait du mal d'amour. Deux petits chaussons par-dessus les plus jolis yeux que l'on ait vus. De longs cheveux légers, légers, et qu'il était bien obligé d'aimer. Le nez vermillon, le chapeau sur la tempe, comme un papillon sous les feux de la rampe. Le soir, il jouait, mais tandis que les gens riaient. Deux petits chaussons de satin blanc sur le cœur d'un clown dansaient gaiement. Ils ont tant tourné, tourné, tourné qu'un soir d'été, le cœur du clown trop essoufflé s'est arrêté. Deux petits chaussons de satin blanc sur le cœur d'un clown dansait gaiement. À 20 ans, l'on ne sait pas toujours que même un clown, ça peut mourir d'amour. Chantais tout en flânant, où je sifflais. Alors ça, j'avais des problèmes. Heureusement que Signavine derrière moi sifflait, parce que coiffé de bleu, chaussé de blanc, oui, je siffle toujours pas mieux d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que j'avais? On va me demander des trucs, là, je ne sais plus, c'est tellement loin. Ah si, il y avait une chose dont je me souviens aussi, ça restait dans le même thème, qui s'appelait Ma vieille jument. Oh, ça, alors ça, celui-là, faut se le reprouver, ce 78-là. Ça, il doit être au puce quelque part, un peu rayé.
Au pas de ma vieille jument, qui va doucement, qui va doucement. Pam, 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 un truc comme ça, enfin, je me souviens même plus. Ça s'appelait Au pas de ma vieille jument, oui. Et puis alors, il y avait Tout en flânant. Ça, vous devez le trouver, Tout en flânant. Il est gratiné, mais enfin, c'est bien. Ouais. Ça marque l'époque, ça. Un oncle en mourant m'a légué ses dettes, sa vieille jument avec la charrette. Je me dis, c'est foire au village, vendons vite notre héritage. Mais le bourricot faisait les yeux doux. J'ai fait demi-tour, j'ai gardé le tout. Fouette, fouette, vole mon cœur, vole au petit jour, cherchez le bonheur. Au pas de ma vieille jument, qui va doucement, dans le soleil du matin, j'ai chanté mille refrains, qu'il fait bon sur la grande route, escalader les talus, et lutiner long sans doute, un jupon qui vous a plu. Chaleton et Marivolle ont chanté mon doux refrain, car les baisers que l'on donne agrémentent le chemin. Au pas de ma vieille jument, qui va doucement, au pas de ma vieille jument, qui va doucement, doucement. Si vous entendez tinter les clochettes de ma vieille jument traînant la charrette, n'hésitez pas, mademoiselle, car je suis un cocher modèle. Au faites attention, les matins sont froids, serrez-vous encore plus près de moi. J'ai toujours un tout petit coin pour les belles que je trouve en chemin. Pas de ma vieille jument, qui va doucement, dans le calme du matin, tous deux ne disons plus rien, ici nul ne nous surveille, laissez-moi enfin poser, sur vos joues couleur groseille, un doux et tendre baiser, car aujourd'hui ma guimbarde a changé de conducteur, l'amour monté par mes gardes nous mène vers le bonheur. Au pas de ma vieille jument, qui va doucement, au pas de ma vieille jument, qui va doucement, doucement. Une chanson qui a eu une histoire, c'est Domino. Alors ça, Domino, je me trouvais chez mon ami Roger Seller, qui était le grand éditeur Paul Becher. J'étais dans son bureau. Et alors, il avait toujours l'art et la manière, toutes les semaines, de m'appeler, de m'inviter à dîner. Il était extrêmement généreux. Vous savez, moi, j'ai la maladie de changer de maison. Alors, à chaque fois, il faut que je remette des papiers peints, qu'on peigne la maison, qu'on fasse des frais dans des maisons nouvelles. J'y reste très peu de temps. Alors il avait une façon délicate de me dire, tiens mon grand, il m'appelait mon grand, et puis il ne faisait pas qu'à moi, il l'avait fait à toutes les vedettes en place à l'époque. Enfin, il me disait, tiens mon grand, c'est pour repeindre ta cuisine. Et il me mettait une enveloppe dans ma poche, j'attendais d'être dehors dans ma voiture pour regarder combien il y avait. Il y avait toujours plusieurs centaines de mille francs, il était extrêmement généreux. Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, il ne m'avait pas donné d'argent, mais il avait envie de me placer une chanson. Il a tiré d'un tiroir une chanson. Et puis, il m'a fait jouer par Louis Ferrari, cette chanson. Domino, nanani, bababi, 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 domino, domino, bon. Et je ne sais pas pourquoi, il s'est passé quelque chose de très curieux. J'ai très peu de poils sur le dos de la main, mais enfin, les poils du dos de ma main se sont mis dans le sens inverse. Enfin, il y a eu une espèce de choc. Enfin, Moi, je me suis dit, c'est une chanson extraordinaire. J'ai mordu à l'hameçon immédiatement. Et il y a eu, entre Ferrari et Roger Seller, une espèce de
de coups d'œil complices que j'ai compris par la suite, qui voulait dire « on a trouvé le pigeon ». On a trouvé le pigeon, ça y est, il a mordu au truc. Et j'ai su pourquoi, car on l'avait fait voir à Lucienne Delisle, à Yvette Giraud, on l'avait fait voir à Tino, on l'avait fait voir à tous les gens en place dans la chanson à cette époque-là, et personne n'avait voulu de Domino. Et Domino a fait le tour du monde. Domino est resté Domino dans le monde entier. Au Japon, il chantait « Domino, Domino », mais il disait « Domino » quand même, n'est-ce pas ? Il y avait la grande kermesse aux étoiles tous les ans aux Tuileries, et j'ai eu le privilège de rencontrer Bing Crosby, qui signait dans le même stand que moi, à côté de moi. Nous avons devisé ensemble avec beaucoup de difficultés parce qu'il parlait peu français et moi peu l'anglais. Il est reparti avec mon disque dans ses valises. Et après, alors aux Amériques, il y a eu Dick Hems, Perry Como, Diane Shore, il y a eu tout le monde a fait Domino, c'était extraordinaire. Et je crois qu'une partie de la fortune de Louis Ferrari me la doit. D'ailleurs, il ne s'en est jamais caché, il l'a toujours dit. Domino, Domino, le printemps chante en moi, Dominique. Le soleil s'est fait beau, j'ai le cœur comme une boîte à musique. J'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud. J'ai envie d'être aimé, Domino. Méfie-toi, mon amour, je t'ai trop pardonné. J'ai perdu plus de nuits que tu m'en as donné. Bien plus d'heures à t'attendre qu'à te prendre sur mon cœur. Il se peut qu'à mon tour je te fasse du mal. Tu m'en as fait toi-même et ça t'est bien égal. Tu t'amuses de mes peines et je m'use de t'aimer. Domino, Domino, le printemps chante en moi, Dominique. Le soleil s'est fait beau, j'ai le cœur comme une boîte à musique. J'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud. J'ai envie d'être aimé, Domino. Il est une pensée que je ne souffre pas, c'est qu'on puisse me prendre ma place en tes bras. Je supporte bien des choses, mais à force c'en est trop. Et qu'un autre ait l'idée de me voler mon bien, je ne donne pas cher de ses jours et des tiens. Je regarde qui t'entoure, prends bien garde, mon amour. Domino, Domino, j'ai bien tort de me mettre en colère avec toi, Domino. Je sais trop qu'il n'y a rien à faire. T'as le cœur léger, tu ne peux changer. Mais je t'aime, que veux-tu? Je ne peux pas changer moi non plus. Domino, Domino, je pardonne toujours, mais reviens. Domino, Domino, et je ne te dirai plus rien. Un peu m'échapper de la chanson qui dit amour toujours tambour et troubadour. D'abord parce que cette forme de chanson me permet de mieux me défendre en scène.
Il y a des moyens d'expression qui n'existent pas dans la chanson un peu miel rosa. Il y a des chansons qui parlent des métiers, qui parlent des fleurs, qui... Enfin, d'abord, on ne sait pas où ça commence, la chanson populaire, puis on ne sait pas où ça finit. Elle est populaire quand elle est reprise en dessous du métro Barbès. On sait qu'elle devient populaire à partir de ce moment-là, quand la foule la chante. Vous comprenez, on me présente des chansons, je les écoute, elles me plaisent, je les apprends et je les présente au public. À ce moment-là, le public réagit ou ne réagit pas. S'il ne réagit pas, je la remets dans un tiroir, puis j'en apprends une autre. C'est vrai que si on voyait un film de Valentino aujourd'hui, on le trouverait un peu sucré, un peu précieux, et que certainement nous avons été dans certains répertoires un peu sucré, un peu précieux. C'était le style de la chanson à l'époque. Si je devais aujourd'hui refaire des disques, peut-être d'ailleurs à tort, les gens ne m'attendent peut-être pas dans un style différent du mien, mais enfin... J'ai sûrement subi des influences, les orchestrations seraient différentes de ce que je ferais aujourd'hui déjà. Donc ça leur redonnerait un coup de jeunesse. Regardez mes disques de... ça je l'ai fait pour m'amuser, j'ai fait des Botterelles, j'ai fait des chansons de bretonnes. Bon, elles sont très bien orchestrées. Toute la série J'attendrai, La Chapelle au clair de lune, Concerto d'automne, c'est pas vieux, n'est-ce pas? Les orchestrations sont fort jolies, c'est très joli ça. Voici déjà l'automne, les feuilles tourbillonnent dans les premiers sanglots du vent. Les yeux fermés, j'appelle ton image infidèle qui dansait dans le clair printemps. Mais pour mieux bercer ma peine, dans le lointain s'égrène la mélodie que tu aimais, mon amour. Un pianiste dans l'ombre semble jouer pour moi tout le chagrin du monde est dans ses doigts. Voici déjà l'automne, l'eau de l'étang frissonne, et les oiseaux ne chantent plus. Pour moi, plus rien n'existe, des jours tristes passeront sur mon cœur perdu. Toujours ce pianiste sur ma blessure insiste, jouant cet air que tu aimais, mon amour. Hélas, les joies que donnent les beaux jours du printemps, le vent méchant d'automne nous les reprend. Oh, le 78 heures, c'était extraordinaire, cette époque-là. Il y avait une femme merveilleuse qui s'appelait Marjane. Marjane. Cher Léo, qui n'aime pas d'ailleurs qu'on l'appelle Léo Marjane. Elle s'appelle Thérèse, d'ailleurs, de son vrai prénom. Thérèse Jean de Bien, son vrai nom. Et elle, je ne sais pas si elle est toujours baronne de la Doucette. Enfin, une baronne aujourd'hui, elle fait du cheval. Elle a quitté les 78 tours, elle aussi. Et alors, elle avait un truc merveilleux, c'est qu'elle était, on l'appelait la bouffeuse de micro. Moi aussi, d'ailleurs, j'étais un bouffeur de micro. Je trouvais qu'on nous mettait toujours trop loin. Moi, j'avais envie d'avoir une présence vocale terrible. Alors, devant le micro, on nous mettait, il y avait une petite tige qui venait comme ça, qui nous attaquait presque, était perpendiculaire à nous, n'est-ce pas? Et alors, sur cette petite tige était montée
un cercle de métal sur lequel on tendait un vieux bas de soie. Et alors, ce vieux bas de soie, c'était le bas de soie de la concierge des studios de This Master Voice, auquel appartenait Marjane. Et Marjane voulait tellement dévorer ce micro qu'elle s'approchait, et le bas de soie était taché du rouge à lèvres de Marjane. Elle le bouffait, quoi. Elle bouffait le bas de soie de la concierge, quoi. Pour enregistrer très présent. Et moi, quand on ne me regardait pas, et comme ce cercle pouvait pivoter sur sa tige, je le baissais, je le mettais en dessous, et je me rapprochais du micro pour faire mon bobo le plus près possible. Quand il y avait le brave technicien qui voyait ça, vite il me remontait c'était des petites ruses de l'époque. C'est la radio qui a fait qu'un jour on est venu me chercher. Alors cette radio, et ça s'est passé des années plus tard, ça s'est passé en 1941, on est venu me chercher pour faire une émission qui était dédiée aux femmes et qui avait lieu une fois par semaine, une émission qui durait une heure et demie et qui s'appelait « 7 heures est à vous ». On n'ajoutait même pas « mesdames », c'était « 7 heures est à vous ». Alors j'ai fait quelques disques chez Columbia, et puis donc j'ai fait de la radio. Et là on m'a donné cette chance avec cette émission qui durait une heure et demie tous les mercredis, qui passait à 3 heures de l'après-midi. Et les dames seules, chez elles, en train de tricoter, de faire de la couture, de repasser ou de faire leur lessive, entendaient un monsieur qui, pendant une heure et demie, leur parlait à bâton rompu, leur passait des disques. Je passais des disques des gens que j'aimais bien, et ça me donnait l'occasion de glisser aussi un ou deux des miens au milieu de cette heure et demie. La vie continuait, vous savez, ça a été pareil sous les armées napoléoniennes. Napoléon était en train de se battre là-bas en Russie, et Joséphine faisait la foire à Paris. Madame de Beauharnais, elle était là en train de danser, ça a toujours existé. Moi, mon père était malheureusement était déporté en Silésie, et moi je me suis retrouvé avec ma mère à Paris avec la modique somme de 500 anciens francs. Et il fallait bien vivre. À l'époque, je savais faire deux choses, c'est-à-dire du dessin, la décoration, puisque j'étais, en vérité, je me préparais surtout à être décorateur, architecte décorateur, puisque j'ai été élève de l'école Boulle, qui est une école notoire à Paris, l'école Boulle, du fameux décorateur de Louis XIV qui s'appelait Charles-André Boulle. Il y a eu une école qui a été créée sous le nom de Boulle. L'école Boulle est une école notoire où on crée tous les décorateurs. Entre les Beaux-Arts et l'école Boulle sortent tous les décorateurs de la place aujourd'hui. Donc je devais être décorateur. Alors je savais dessiner et je savais chanter gentiment, agréablement. Et je me suis trouvé un jour sur les Champs-Élysées, au métro Georges V, j'ai retrouvé une charmante camarade, qui hélas depuis, je l'ai appris, a été déportée et qui est morte en déportation, qui était une fille qui était secrétaire à Radio Cité, parce qu'il faut vous dire que Radio Cité, c'était un poste périphérique aussi de 1938, où je sévissais à la radio. Je faisais déjà de la radio, j'avais une émission quotidienne qui s'appelait « La chanson à l'inconnu ». Et c'était tous les midis passait une chanson chantée par André Claveau. Il y avait une des speakerines qui me présentait, et puis je chantais à une inconnue. Je disais, vous petite madame qui êtes toute seule dans votre chaumière là-bas, en train de faire du macramé avec des bouillottes aux pieds, et c'est pour vous aujourd'hui, c'est à vous que je pense, et c'est pour vous que je vais chanter Petite brunette aux yeux doux. Et je chantais un Delmet, je chantais les chansons de Tino, je chantais toutes les chansons, je chantais tout. Il fallait en faire 365, puisque j'avais 365 émissions dans l'année. Ça a été comme ça que mon nom est arrivé petit à petit. Il ne se passait pas tout d'un coup. Le fameux concours dont je vous parlais tout à l'heure, il s'est passé en 1936, n'oublions pas. Et là, il s'est passé 2 ans, et Radio Cité, l'émission quotidienne, et après, alors, en 41, la grande émission que l'on me confie pendant une heure et demie, où seul j'ai carte blanche, j'ai le feu vert pour faire exactement ce qui me convient. Et là, je fais une émission poétique, je fais une émission de rêve. Nous prenions notre train de rêve, notre voiture de rêve, et on allait en pérégrination dans des campagnes de France. Et là, j'y rencontrais ou des auteurs, ou des compositeurs, ou une artiste qui était là. Et ça me donnait l'occasion d'émailler ça par une chanson. Furtive, hésitante à l'orive de la forêt chère adorée, dites-le-moi, que cherchez-vous, petite brunette aux yeux doux?
Est-ce le frisson mystère, tendre à mourir et qu'il faut taire? Et n'avez-vous pas peur des loups? Petite brunette aux yeux doux, au bruit de mes pas, votre bouche se crispe d'un grand air farouche et votre œil flambe de courroux. Petite brunette aux yeux doux, ah, quand tout aime et que tout chante, pourquoi faites-vous la méchante? Et pourquoi me repoussez-vous? Petite brunette aux yeux doux. Le dieu charmant qui veut qu'on aime est dans les bois. Il a mis même des fleurs sur les branches de houx. Petite brunette aux yeux doux, oyez cela dans les venelles de ces idylles éternelles. Les oiseaux piaillent, font les fous. Petite brunette aux yeux doux, la forêt est tout en extase, une langueur tendre l'embrase, elle soupire à tous les coups. Petite brunette aux yeux doux, et si d'autres sous les ramures mangent des fraises ou des mûres, ils ne feront que comme nous. Petite brunette aux yeux doux. Et puis, il y a la libération. Alors la libération, il y a quelques complications. On me reproche un peu pendant 6 mois d'avoir chanté à Paris. Moi, je prouve qu'il fallait vivre, que je n'ai chanté aucune chanson d'origine étrangère, si ce n'était américaine et d'origine juive. Et même ça m'a valu des complications, parce que quand on a su que M. Frilm, l'auteur de Sympathie, était un israélite aux États-Unis, on m'a supprimé la chanson quelques mois plus tard, je ne pouvais plus la chanter. La censure allemande m'avait interdit, il a fallu que je recompose tout un tour de chant, parce que on s'était aperçu que sur 12 chansons, j'en avais 8 qui étaient d'auteurs interdits. Alors vous voyez que il m'en restait pas beaucoup, hein. Il m'en restait 4 chansons, il a fallu refaire un tour de chant. Et puis, donc les choses se sont très bien arrangées, il n'y a pas eu de problème. Et puis, alors là, il y a eu la carrière dans le monde, quoi, la carrière internationale, il y a eu le cinéma. J'ai fait 11 films. Je ne peux pas vous dire que j'ai fait le chef-d'œuvre. Tino a eu sa chance avec Fièvre. Moi, je n'ai pas eu mon Fièvre. J'ai fait des bons petits films, des petits films. Compas, en ce moment-là, la télévision française, je me suis revu l'autre jour. Ça m'a beaucoup amusé. J'ai eu l'impression que j'avais l'air d'un mannequin de mode. J'étais tout menu, tout mince. Je passais derrière une affiche sur la décollée. Et je jouais les gangsters à la nuit de pain. Après il y a eu une grande année pour moi, c'est l'année du circus. Alors ça c'était 55, je suis parti sous un grand chapiteau, où d'ailleurs j'ai dû, pendant une année, je crois que j'ai claqué 2 fois, enfin j'entends par là claquer, c'est-à-dire que j'étais enroué, parce que, vous savez, chanter pendant 365 jours et quelquefois avec des matinées le dimanche, et les 2 fois où j'ai claqué, j'ai appelé au secours une grande amie à moi. Cette grande amie, c'est Lily Fayol. C'est elle qui est venue, elle a déboté. Elle nous dira peut-être un jour qu'elle s'est payée la plus grande prouille de sa vie, là, parce que quand on chante devant 6000 clients, au milieu de 6000 personnes, sous un chapiteau de toile, alors ça, c'est une grande expérience. Ça, quand on a fait ça, on peut tout faire. Ça, on peut tout faire. Quand on a fait du cirque, on peut tout faire. J'avais recomposé à cette époque-là un tour de chant qui n'était pas du tout un tour de chant coup de poing. Là, j'avais un tour de chant à l'époque qui était un tour de chant en demi-teinte. Il a fallu que je recompose du jour au lendemain un tour de chant coup de poing, parce que le cirque, il faut leur envoyer ça assez loin. C'est pas des choses à susurrer du bout des lèvres. Hein. Et puis, je suis allé au Canada, je suis allé à New York, je suis allé en Suède, à Göteborg, je suis allé...
J'ai pas fait le Japon. J'ai pas fait le Japon. J'aurais dû le faire X fois, je l'ai pas fait. La dernière fois, la dernière fois que j'ai eu la proposition du Japon, bien m'en a pris. C'était ma pauvre maman qui, elle, décédait 2 mois après, et bien m'en a pris de refuser à ce moment-là, parce que j'aurais même pas assisté à ces derniers instants, et ça, je ne me le ferais jamais pardonner. Alors voilà. Il y a eu une période cirque qui a été, je sais pas si c'est moi qui l'ai inauguré, enfin, il y a eu, Mariano l'a fait, donc moi je vous dis, je l'ai fait pendant 1 an. Gloria Lasso l'a fait. Il y a eu Fernand Reynaud qui l'a fait chez Amar. Et puis il y a Tino, je crois. Tino, oui, Tino l'a fait. Et puis notre Lily Fayol qui en a fait un peu aussi. D'abord parce que c'est formidable le cirque, parce que ça pénètre les plus petits patelins qui ne disposent pas d'une salle. C'est un auditoire fantastique. Et puis alors, soyons honnêtes, parce que ça paye merveilleusement bien. Et qu'au bout d'une année, quand on a fait le calcul de ce qu'on a gagné, 365 jours sous un chapiteau, on peut se reposer 1 an après. Non, c'est bien, faut être honnête. Et encore, nos cachets, à l'époque, en 55, étaient loin d'être les cachets d'aujourd'hui. Moi, j'ai des cachets de misère. Je me rappelle ma grande amie Damia, au moment où je gagnais 10 000 francs par jour, 10 000 anciens francs, passait aux Folies Belleville pour 11 000 francs par représentation. Mais à l'époque, Damia nous disait, alors quand je pense que moi j'étais vedette à Paris pour 1000 balles, mais je lui dis, mais oui, mais avec les 1000 francs que tu gagnais à ce moment-là, t'avais le même pouvoir d'achat que moi aujourd'hui avec mes 10 000, et qui sont devenus 100 000, et qui sont devenus aujourd'hui 1 million, et quelquefois plusieurs millions de jeunes artistes dont je me tairai le nom, parce que ça finit d'ailleurs par être scandaleux. Disons le mot, c'est scandale. Oh, j'ai un souvenir de Damia. Oh, il faut que j'emploie un mot, quand même. Un mot qui est un peu grossier, il faut que je le dise, parce que je me rappelle, Damia avait dans son tour de chant une merveilleuse chanson qui avait été écrite par le maître Louis Aubert qui s'appelle « La mauvaise prière ». Sur un trois-mâts de la marine, fier de l'étrave à l'étambo, sur un trois-mâts de la marine, mon bien-aimé matelot, à bord du Saint-Michel-Archange, porte l'habit de matelot, enfin, etc., etc. Il y avait, pour ce gars-là de Madame Damia qui faisait une rentrée à Paris, il y avait le maître Louis Aubert, qui était un tout petit homme, tout petit, il était minuscule à ce pupitre, et il dirigeait un orchestre de 40 musiciens. Ça se passait à la Gaîté Lyrique, et c'était Ma Joie de Vivre. Il y avait une émission à l'ORTF qui s'appelait La Joie de Vivre, et on m'avait fait venir pour faire Ma Joie de Vivre. C'était à la télévision. Et dans Ma Joie de Vivre, j'ai fait venir Damia, j'ai fait venir Lise Gauty, et Damia, pour me faire plaisir, à chanter La mauvaise prière de Louis Aubert avec maître Louis Aubert au pupitre. Et quand elle a eu fini de chanter, que je l'ai retrouvée dans la coulisse, que je l'ai embrassée en la remerciant, elle m'a dit, oh là là, mais est-ce qu'ils peuvent m'emmerder avec leurs mesures? Parce que c'était une femme qui avait l'habitude de chanter rubato, vous comprenez? Damia a passé presque toute sa vie accompagnée par un piano. Est-ce que là, quand vous avez 40 musiciens, vous pouvez pas vous balader sur la mesure, c'est pas possible, il faut être... C'était... Alors là, elle avait souffert, il y avait le petit père Robert qui la menait à la baguette, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'ils peuvent m'emmerder avec leurs mesures? Et ça, je me souviendrai, ça c'est un souvenir de Damien sortant de scène en me disant ça. Piano, ne joue plus ta mélodie. Piano, arrête la comédie. Mon cœur ne peut plus le supporter. Ce chant que j'ai tant aimé. Pourquoi remuer tant de souvenirs? Sans toi, je pourrais aimer et rire. Des notes qui s'égrènent ont ravivé ma peine qui ne veut pas. Comme des sortilèges.
que l'on a jeté. Je sens dans ma tête éclater des arpèges. As-tu t'arrêté, piano? Tu m'as donné trop de joie, piano. Tu ne peux plus rien pour moi. Ton chant est inutile. Va, laisse-moi tranquille, piano. Tais-toi, piano. J'avais eu une idée. Je voulais qu'on m'entende le rideau fermé. Et le rideau s'ouvrait doucement à « Il faut, je le vois bien, qu'on vous console, qu'on vous cajole ». Les paroles tombaient à pic là-dessus, et c'était très bien. Et le rideau s'ouvrait doucement. Voilà ce qui était ma première chanson d'entrée. Soir de la première, souvenir dramatique. J'ai toujours été très traqueur, mort de peur. Alors, en plus quelle responsabilité, parce que débuter alors qu'on n'avait jamais fait de scène, débuter en tête d'affiche avec 12 chansons, c'était un truc à se suicider. Il y avait un numéro de danse avant moi. Vous savez que pour que les gens à l'entracte regagnent leur place et qu'on n'entende pas le bruit des strapontins ou des sièges qui s'abaissent, devant la vedette, on met toujours un numéro qui permet aux gens de rentrer. Et pendant ce numéro-là, j'étais dans ma loge et je me disais « que sympathie profonde, qu'est-ce que je dis là, qu'est-ce que je dis là ?» Oh, rien ne me venait, rien ne me venait, rien ne me venait. Les WC étaient deux portes à côté de ma loge. Je suis allé me précipiter dans les toilettes et « sympathie profonde, il faut, je le vois bien. » Oh, je me disais, c'est ça qu'il faut que je me souvienne. « Il faut, je le vois bien, qu'on vous console, qu'on vous cajole. » Et voilà, c'est le premier soir, c'est dans les cabichtras que j'ai retrouvé les paroles de ma première chanson. Alors après, je n'avais plus de blanc dans ma vie. Les gens s'arrachaient le claveau, on voulait m'avoir, on me passait dans les music-halls de la périphérie. Après, j'ai joué une revue à l'Alhambra, devant 3000 clients, tout s'est enchaîné. Oh oui, c'était formidable. Oui. De sympathie profonde, s'il faut, je le vois bien, qu'on vous console, qu'on vous cajole, mais si je vous prends la main, n'allez pas en faire un monde. Ce n'est que sympathie profonde. Je ne dis pas que plus tard un jour, mon cœur ne connaîtra pas l'amour. J'ignore encore avec qui, comment, mais je sais bien que pour le moment, ce n'est que sympathie, que sympathie profonde. Il faut, je le vois bien, qu'on vous console, qu'on vous cajole, mais si je vous prends la main, n'allez pas en faire un monde. Ce n'est que sympathie
profonde. Je suis en Dordogne, je suis en, dans ce pays qui s'inscrit, vous savez, comme... comme en lettres de feu, comme les frontons d'un music-hall, je suis en Périgord. Périgord, c'est quelque chose pour moi de... Ce sont des lettres d'or, Périgord. Périgord, c'est extraordinaire. C'est synonyme de, du bien manger, du bien vivre. C'est synonyme de la préhistoire. C'est là où il y a l'homme de Cro-Magnon. Ça commence là et ça arrive à nos jours avec quand même une hostellerie extrêmement luxueuse, extrêmement raffinée, et puis des attractions touristiques. Enfin, c'est un pays de tourisme, quoi. Ça semble merveilleux de dire mener la vie de château. Parce que, vous savez, comme on dit vulgairement, les châteaux, il faut se les faire. C'est-à-dire qu'un château, il y a le château de Versailles, il y a Fontainebleau, il y a Chambord, et puis il y a tous les autres. Alors les autres, ça peut commencer au petit manoir du 12e, 13e siècle, c'est-à-dire qu'il reste une tour à moitié tronquée, et puis il y a aussi le château du 15e comme le mien, avec un donjon du 13e, où il y avait tout à faire. Alors, mener pour moi la vie de château, c'est être devenu peintre, maçon, je m'occupe de mon jardin, comme j'habite un coin perdu où il y a pratiquement très peu de main-d'œuvre. Alors il faut tout faire, je sais maintenant comment on remet un carreau et une fenêtre. Vous voyez, mais d'ailleurs, regardez, j'ai des mains de manuel maintenant. Avant j'avais des mains de paresseux, maintenant j'ai des mains de manuel. Alors voilà, si c'est ça que vous appelez mener la vie de château, voilà. Le fait de ne plus habiter Paris, c'est déjà prendre sa retraite. Pour faire ce métier, il faut habiter Paris, ou proche Paris, pour pouvoir y aller tous les jours ou plusieurs fois par semaine, rencontrer des auteurs, rencontrer des compositeurs, qu'eux-mêmes, ces gens-là, viennent chez vous, qu'ils vous téléphonent, qu'ils vous sollicitent. Il y a un gala, être présent pour la première des camarades de ce métier. Il faut pas mettre de distance entre Paris et soi. J'ai cru naïvement, je l'avoue, que me décentraliser n'aurait pas d'inconvénient pour ma carrière. Enfin, une certaine forme de carrière qui me plaisait, moi, c'est-à-dire le côté laboratoire, faire des disques, faire de la radio. Bien des générations avant moi, une dame a existé qui s'appelle Berthe Silva. On presse encore ses disques. Il paraît qu'il y a des héritiers qui touchent encore des royalties fort intéressantes. Et naïvement, j'ai pensé que, comme j'avais un assez gros bagage de disques, qu'on pourrait continuer à presser mes disques, qu'on pourrait les passer sur les antennes, et que le nom d'André Claveau s'entretiendrait comme ça dans les chaumières et de génération en génération. Je me suis trompé. Je me suis trompé, les choses sont allées très vite. Il y a eu un 89, il y a eu des charrettes, on a guillotiné des gens, et je pense que j'ai été parmi les gens qu'on a guillotinés. Je n'ai pas perdu ma tête, alors je pourrais peut-être revenir aujourd'hui. Mais c'est moi qui n'ai plus envie de revenir, voyez-vous. Mon arrière-grand-mère m'a conté l'histoire de son mariage. C'est un beau roman du temps passé qui débuta au cours d'un voyage. En ce temps-là, pour aller loin, on connaissait à peine le train et l'on trouvait déjà bien beau la voiture et les chevaux. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en cahotant, voyageur toujours content. Il y avait un vieux notaire, un curé et son bréviaire, une fille à marier, un monsieur très distingué. Le notaire dormait, le curé priait, la belle rougissait en silence. Le monsieur parlait et lui récitait des rondeaux et des sonnets. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en cahotant par la pluie et le beau temps. Lorsque les chevaux péniblement avait fait 30 kilomètres,
à l'hostellerie du Cheval Blanc. On passait la nuit pour s'en remettre. Pour aller de Paris à Tours, il fallait bien au moins 8 jours. Évidemment, ça donnait le temps de se connaître amplement. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en carretant, voyageur toujours content. Lorsque la côte était dure, il descendait de voiture et poussait allègrement, car c'était le règlement. Le ciel était bleu et le beau monsieur faisait les 12 yeux à la belle, tandis que le curé se disait, oh ça y est, ces deux-là, je vais les marier. La petite diligence sur les beaux chemins de France arriva enfin à Tours, et c'est tout le roman d'amour. C'est toujours pareil en France, mis à part les diligences. Quand on veut se marier, il faut savoir voyager. Il faut savoir voyager. J'ai fait un concours de chant dans un poste périphérique qui se trouve aux Champs-Élysées et qui était patronné par une marque d'apéritifs. Je crois que j'ai dû faire la deuxième séance de ce concours. Il y avait avec moi une fille charmante qui s'appelle Odette Laure, et qui maintenant se perpétue dans la comédie, elle a bien raison. Et moi j'ai chanté une chanson qui était une création de Lucienne Boyer. Venez donc chez moi, je vous invite, il y a la joie chez moi, c'est merveilleux. Je chantais ça, et je ne sais pas pourquoi, les lettres sont arrivées d'Espagne, d'Italie, de partout. J'ai été immédiatement remarqué, parce que j'avais, pour l'époque était au Tenorino. C'est-à-dire, j'entends par là Tino Rossi, Jean Lumière. Il y avait un garçon charmant qui s'appelait Guy Berry, qui depuis, j'allais dire, a fini dans les lavabos, mais je me trompe pas tellement, parce que il a monté une affaire de lavabos, de cuvettes en plastique et de choses comme ça. Et qui avait une voix, je me rappelle, il avait une espèce de voix de faux, c'était très drôle. Il chantait, oh, une soirée à Bobino, mon Dieu, pauvre Guy, c'était terrible. Je le revois tout poupon et tout rose, dans un costume gris clair. Il était, vous savez, il était très sérieux, il avait une vie parfaitement normale, j'espère qu'on va me comprendre totalement. Et il chantait une chanson qui disait, j'ai rêvé qu'on me disait, ouhou, je t'aime, et tout idéalisait, ouhou. Et alors au propre noir de Bobino, il y a une certaine catégorie d'individus qui ont fait, ouhou. Alors, et je me souviendrai encore, je me souviens encore de la réplique de Guy Berry qui a dit avec cette espèce de voix de nuque qu'il avait, les rossignols sont sortis ce soir. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Alors, donc, je suis arrivé au milieu de ces garçons qui avaient des voix extrêmement légères, et moi, j'essayais déjà de baritonner. Je me rappelle que lorsque mes parents me récompensaient pour un travail bien fait, ou je sais pas ce que j'aurais pu faire à l'époque, on me donnait un petit peu d'argent, et je me précipitais chez le disquaire à côté de chez moi, et je demandais, je disais, je voudrais le dernier disque de Bing Crosby. Moi, j'étais obsédé, dans mes nuits, j'entendais, j'entendais toujours que Bing Crosby. Alors, j'avais, naturellement, tellement d'années en moins, vous savez, quand on est jeune, on a une voix beaucoup plus légère que lorsqu'on vieillit, la tessiture baisse quand on vieillit. Et à l'époque, je m'ingéniais à chanter déjà grave. J'arrivais pas à chanter comme Bing Crosby, bien sûr. Mais enfin, je cherchais à chanter grave. Et j'ai donc été remarqué à cause de cela, parce que la période était aux voix extrêmement légères. C'est ce qui a fait que tout d'un coup, on s'est dit, tiens, une voix grave, un baryton, et ça a marqué le coup. Chance extraordinaire, dans le grand studio du poste parisien, puisque ce poste périphérique dont il s'agit, c'est le poste parisien, Monsieur Jean Bérard, le grand PDG du consortium Is Master Voice Columbia Pathé, qui était là. On m'a fait faire un test, on m'a fait essayer ma voix, qui était à l'époque, donc, puisque nous parlons 78 tours, sur la cire. J'ai une petite anecdote à vous raconter à ce sujet-là. Mais je vais en venir tout de suite au contrat qui a été sensationnel. Monsieur Jean Bérard, après la première audition que j'ai faite
dans les studios de chez Columbia, m'a signé un contrat de 10 ans. C'était exceptionnel. J'ai fait mon premier disque, mais je faisais des refrains d'orchestre. J'étais un petit jeune homme timide. Ça me semblait d'ailleurs, j'arrivais la main moite et la bouche tremblante, et je chantais des refrains avec l'orchestre de De Prince, qui était un accordéoniste assez connu à l'époque. Et je chantais des refrains de mon ami Tino Rossi. Du genre de « Un jour je te dirai, c'est toi que j'aime, va 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 ». C'était des refrains de Tino. C'est pas pour vieillir Tino, mais enfin il est quand même la génération avant moi. Alors j'y mets cette coquetterie-là, tout de même. Je reviens à ce premier test que j'avais fait sur une cire. Vous savez que quand on faisait passer une audition à un jeune comme moi, qui était donc sans importance, sans intérêt, parce qu'on savait pas ce que j'allais faire, on savait pas si j'allais par la suite rapporter de l'argent, et que dans ce métier, c'est toujours le show business, tout tourne autour de l'argent, on ne gâche pas une cire vierge pour un débutant. Alors, on prend une grande galette de cire que l'on plaçait sur le plateau, et on se servait d'une galette dont les premiers sillons avaient déjà été testés, si vous voulez, où il existait des premiers sillons déjà qui avaient été enregistrés par un artiste notoire de l'époque, qui avait raté, puisque là, on ne pouvait pas recommencer comme... il fallait y aller du commencement jusqu'à la fin, il fallait pas couper, on pouvait pas faire des petits bouts et recoller comme on fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, naturellement, on s'est servi donc d'une cire comme ça, dont les premiers sillons avaient été essayés par une artiste, déjà, ou un orchestre, et puis, on m'a fait prendre la suite. Et je suis passé dans la cabine de l'ingénieur du son, et j'ai voulu entendre ma voix. Ça a été quelque chose de catastrophique. Je pense que c'est peut-être une des rares fois de ma vie où j'ai failli défaillir. parce que on m'a pris en plein milieu de la voix de Madame Jeanne Aubert, et qui avait une voix de miauleuse, qui chantait miaou, elle faisait miaou, miaou. Et vous savez, quand on est débutant, qu'on a le trac, qu'on est au milieu de gens qu'on connaît pas et qu'on se dit pourvu que ça marche, ça a été affreux. Je me suis dit, si j'ai cette voix-là, je me suis naturellement pas reconnu. Puis enfin, l'histoire a été vite élucidée. Je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était les premiers sillons de ma galette de cire qui avait été fait par Madame Jeanne Aubert. Je me fais manquer, voilà. C'était peut-être pas une faute d'Aubert, c'était peut-être un couac d'un musicien. Parce qu'il s'agissait... Il fallait recommencer. Un homme de cuivre, un saxophoniste faisait un canard. Même si l'artiste avait fait une très très belle plage jusqu'au bout, et qu'à la fin le saxophoniste faisait un couac, il fallait recommencer rien que pour ça. C'était un problème terrible. Il y a sûrement des gars qui se promènent avec le cœur plein de soucis. Bien, pour tous ces gars qui ont de la peine, ma maison n'est pas loin d'ici. Oh, bien sûr, chez moi, c'est pas immense, mais il y a quand même un bout de jardin. Quand on a le cœur dans la souffrance, de voir des feuilles, ça fait du bien. Si t'as des misères, viens donc prendre un verre, viens à la maison. Si t'as des ennuis, si t'as des soucis, viens à la maison. Le gosse te dira des fables d'autrefois, t'auras des chansons. Si t'as pas eu de veine, et si t'as de la peine, viens à la maison. Si tu préfères la musique, ma femme te jouera du piano. Puis si ça te rend mélancolique, moi je te ferai mon numéro. Tu nous raconteras tes peines. Et si tu sens venir les pleurs, eh ben mon vieux, faut pas que tu te gênes de pleurer. Ça soulage le cœur. Si t'as des misères, viens donc prendre un verre, viens à la maison. Si t'as des ennuis, si t'as des soucis, viens à la maison. Le gosse te dira des fables d'autrefois, t'auras des chansons. Si t'as pas eu de veine, et si t'as de la peine, viens à la maison. Et si vraiment y a rien à faire pour t'éviter d'être malheureux, je te raconterai mes misères. Ah, ça nous fera bien rire tous les deux. Tu sais, je ne suis pas un apôtre, mais c'est sûr commun et un d'eux. Au fond, il n'y a que le malheur des autres qui arrive à nous sécher les yeux. Si t'as des misères, viens donc prendre un verre, viens à la maison. Si t'as des ennuis, si t'as des soucis, viens à la maison.
Le gosse te dira des fables d'autrefois, t'auras des chansons. Si t'as pas eu de veine, et si t'as de la peine, viens à la maison. Bien avant 1936, ça doit être quelque chose comme 1933 ou 1932, ma famille, au cours d'un dîner, faisant un pari, moi déjà malade de ce métier, j'avais envie de le faire, je chantais, je jouais des scènes dramatiques devant l'armoire à glace de ma mère, je trempais un coup de papier dans de l'encre rouge et puis je jouais une scène dramatique, puis je m'écroulais, ma mère entendait un grand boom sur le plancher et c'était son fils qui s'écroulait devant l'armoire à glace, je jouais du Shakespeare tout seul, enfin que je m'inventais. Et puis, j'aimais Damia. J'écoutais Damia. Alors, je ne savais pas chanter autrement que à la manière de Damia. Et il y avait un musical, un cinéma musical à Montmartre qui s'appelait La Fourmi. Et il y avait un crochet radiophonique. Ça s'est fait beaucoup depuis. Et ce crochet était animé par le père de notre charmante Zizi Gabriello, par le bon gros Gabriello, c'était lui qui animait ce crochet et qui présentait les jeunes. Et au cours de ce dîner de famille, on m'a dit « Oh, mais tu vas te dégonfler, tu n'iras pas. » Je lui dis « Comment, j'irai pas ?» J'irai, si. Mais je ne savais chanter que des chansons de Damia. Alors je me rappelle d'une chanson de Maurice Aubray, qui était l'auteur préféré à cette époque-là de Damia, une chanson qui s'appelait « Dis-moi ». Alors je suis entré en scène, il y a la pianiste qui a commencé, et ça a donné... Dis-moi pourquoi je t'importune, dis la raison, s'il en est une, moi, je ressens ton infortune, sans m'expliquer ton abandon. Pourtant mon cœur est sans rancune. Je t'aimais trop, pardon. Et un jour, la mère d'Amia a entendu ça. Elle dit, mais c'est pas vrai que je chante comme ça. Je lui dis, écoute, j'ai tous tes disques, viens, et tu vas te rendre compte. Et là, elle a dit un mot de cinq lettres, et elle a dit, ben alors, je me suis jamais rendu compte que je chantais comme ça. Tu vois, j'avais peur qu'on ne comprenne pas, c'est pour ça que elle articulait, et elle prononçait toutes les muettes. Dis-moi pourquoi je t'importune. Vous voyez, elle appuyait tout ça. Et moi, je ne savais chanter qu'au travers de Damia. Et ça a été très difficile de me dépouiller de ce costume-là. Il a fallu, après, que je calme tout ça, que je ne roule plus les airs, que j'oublie les muettes. Enfin, vous voyez, quel souvenir, quelle école du musical. Alors, elle, contre le micro, anti-micro, parce qu'elle n'était absolument pas statique, elle ne pouvait pas, n'est-ce pas, elle se mouvait sur la scène, le micro l'handicapait, ça la gênait beaucoup. Oh oui, elle est toujours de ce monde, d'ailleurs. Enfin, elle est une très vieille dame. Il paraît toujours très belle. Moi, j'ai dîné avec elle il y a 2 ans, avec ses merveilleux cheveux blancs. Je crois que j'ai eu cette influence sur elle de lui dire un jour qu'elle devrait cesser de se teindre les cheveux en roux, parce que il y a un âge d'eux où les cheveux blancs sont absolument le décor d'un visage qui commence déjà à se rider. Elle a toujours ses très beaux yeux verts, cette espèce de bouche... toujours saignante, comme un coup de poignard dans le visage. Belle Damia, toujours mince, et des très beaux disques d'elle encore. Oh, les goélands. Les marins qui meurent en mer et que l'on jette au gouffre amer comme une pierre avec les chrétiens refroidis ne s'en vont pas au paradis. Trouver Saint-Pierre, il roule d'écueil dans l'épouvantable cercueil. Je peux vous en chanter comme ça. Je crois que je me souviens presque plus du répertoire de Damia que du mien. Damia passant à l'européen, le tout Paris. Elle drainait même la jeune trie, enfin tous les snobs, tous les gens. Elle drainait la foule et les gens très snobs aimaient retrouver Damia, enfin c'était... D'ailleurs, Chevalier a dit dans ses mémoires qu'il l'a connue, elle avait 17 ans, que c'était une fille somptueusement belle. Enfin, il évoque, quand il parle de Miss Tinguette, il en dit des choses beaucoup moins gentilles. Il parlait de qu'elle avait une tête de guenon, c'était pas très flatteur pour la Miss. C'est un peu vrai, d'ailleurs. Elle a vieilli en guenon. C'est drôle, j'ai des photos. Tiens, justement, j'ai des photos. Oh,
C'est terrible. L'autre jour, je regardais cette photo. Il y avait la Miss. Il y a la Miss. Il y a ce pauvre André Bourvil. Il y a Georges Guettari et moi. Sur cette photo, il y a deux morts et deux vivants. Oui. Vous voyez. C'est ça, le 78 tours. C'est l'art de disparaître. À la suite de cette émission, qui a duré plusieurs mois, un imprésario est venu me trouver. Il m'a dit, monsieur, moi, je crois que vous êtes mûr pour faire de la scène. Oula. Je lui ai dit, moi, monsieur, je ne sais rien. Je sais des chansons que j'enregistre avec le bout de papier devant moi, car je les apprends même pas par cœur. C'est pas la peine, puisque je suis en studio, personne ne me voit. Et il m'a dit, il faut en apprendre. Il faut en apprendre une dizaine. J'avais un indicatif, qui était une chanson écrite par Rudolf Frilm, qui était l'auteur de Rosemary, le compositeur de Rosemary, qui s'appelait Sympathie. Ce n'est que sympathie profonde. Voilà, c'était ça, mon indicatif d'émission. Alors, je me suis dit, ça va être très bien, je vais me servir de cet indicatif comme chanson d'entrée. Et un 26 décembre 1941, un imprésario me faisait débuter à l'Européen, qui à l'époque était sur Paris, le temple de la chanson avec Bobino. Seulement, il faut que je vous dise que mon nom était devenu tellement important dans l'esprit des auditeurs qu'on m'avait signé un contrat de vedette américaine, comme on dit, c'est-à-dire que je devais terminer la première partie. Et les vedettes en place sur Paris, femmes ou hommes, à l'époque, aucune n'a voulu accepter la vedette sur moi. Avec un contrat de vedette américaine, il a fallu me faire passer en deuxième partie. Et j'ai débuté en seconde partie avec un merveilleux accompagnateur, un pianiste extraordinaire, qui est Alexis Miavin. Un long ruban, couleur du temps, sur lequel glissent les chalands, une sirène dans le vent. Voilà la scène, pont de sirène ou de Saint-Cloud, brouillard qui rôde autour de nous, arbre tremblant au reflet roux. Voilà, c'est tout. Mais sous ce masque immobile, combien de secrets sont allés loin de la ville, mourir à jamais. Bon vieux pêcheur à l'air si doux, soleil qui joue dans un remous, clochard qui passe et qui s'en fout, voilà, c'est tout. Dans le flot gris, faible clocher du vieux Paris, Notre-Dame et les quais fleuris. Voilà la Seine, bois de Boulogne ou de Château, où nous allions cueillir le houx, dimanche de nos rendez-vous. Voilà, c'est tout. Est-il quelque part au monde endroit plus troublant pour nos amours vagabondes que ces lieux charmants? Silhouette contre un garde-fou, accordéon sur les genoux, qui joue la chanson de dessous. Voilà, c'est tout. Moi, je vis en Périgord, puis j'arrive à Paris, et c'est un peu comme lorsque j'ai fait mon régiment, je compte les heures. Moi, quand j'ai été mobilisé, j'ai mis des petits bâtons comme ça, j'ai calculé les mois, et après les semaines, et après les jours, quand c'était la classe, ben, quand j'arrive à Paris, je calcule les heures, je n'ai qu'une envie, c'est d'en foutre le camp. Moi, j'ai une allergie à la ville. Je peux plus.
Je suis natif de Paris, je ne peux plus vivre en ville. Alors, ça pose des problèmes. Il faudrait qu'on le fasse comme pour Yvette Guilbert, qu'on vienne m'enregistrer chez moi. Voilà. Les filles des auteurs viennent vivre un peu, quelques jours en Périgord, manger du foie gras et des confits d'oies et de canards et de dinde. Et puis, que, voilà, qu'on les mette à l'engrais un peu et qu'ils travaillent pour moi. Mais je crois que ça n'arrivera pas. Le voilà le pourquoi du silence claveau. C'est parce que j'ai plus du tout envie de vivre en ville. Je peux me permettre de ne plus y vivre, alors. Puis je me dis que quand même, la vie, ça se raccourcit. Moi, j'ai envie de la vivre pleinement avec mes amis, la vivre. Je voudrais une vie faite d'amour, d'amitié. Et puis voilà. J'ai mes bêtes. Au fond, je peux pas dire que je suis très heureux, mais je suis pas malheureux. Je connais pas de gens parfaitement heureux. Mais je suis pas malheureux. C'est déjà pas mal.